très beau. Est-ce que vous auriez pensé qu'on pouvait mettre de la feuille d'or sur du textile, Max? Pas du tout. Voilà. Moi j'ai envie de le mettre aussi sur mes fringues. C'est super. Oui, tu peux aussi le faire sur les vêtements. Là, on était vraiment dans l'idée d'apporter à nouveau, parce que si on n'est pas obligé de mettre de la feuille d'or directement sur ces murs, on peut aussi le faire sur les coussins. Bon, Marthe, du coup, regardez, je vous offre celui-là qui est fini, parce que l'autre, il aura fallu attendre trop longtemps. Oui, voilà. Oui. Voilà le résultat que vous pouvez obtenir. Ça colle pas bien, ça colle pas bien. Et il faut attendre 2 heures, Stéphane. Mais regardez, ça n'adhère pas. Pourquoi tu lui as dit de pas en mettre beaucoup? Pardon, je reviens. Mais... Parce que si tu mets trop de colle, en fait, ta feuille d'or, elle va s'oxyder. Et ça va devenir une feuille argentée. Bah, ça va pas être très joli. Ouais, ça risque de manger ta feuille, ça sera pas terrible. On attend 2 heures alors. Le résultat. Qu'est-ce que vous faites, Stéphane? On n'aura pas ce côté-là. J'ai mangé un peu de feuille d'or. Avec un pinceau. Vous voulez manger un peu de feuille d'or? Moi, ça va, Stéphane. Stéphane, vous n'allez pas manger de la feuille d'or maintenant? Non, mais Stéphane, non, il y a eu de la colle dessus, vous n'allez pas la manger. Mais c'est un malade, hein? Mais enfin, vous avez vu? Comment vous voulez que je réussisse à faire une chronique? Vous avez compris que j'étais un fou furieux. Non, mais Stéphane. Merci, Maud. C'est très beau. Merci. Prenez-le, il est pour vous.